La Corée du Nord dispose-t-elle de missiles stratégiques capables d'atteindre les États-Unis? C'est en tout cas ce que clame haut et fort le régime de Kim Jong-un, même si les experts n'y croient pas. Selon eux, Pyongyang cherche surtout à répondre à l'annonce de son voisin. Dimanche, la Corée du Sud et les États-Unis ont conclu un accord pour augmenter la portée des missiles sud-coréens. Objectif, frapper n'importe quelle base de lancement de missiles nord-coréennes. Si Pyongyang possède l'arme atomique, le régime ne dispose pas encore de la technologie nécessaire pour nucléariser un missile. Quoi qu'il en soit, les multiples essais de la Corée du Nord constituent une menace que Séoul et Washington ne peuvent ignorer.